Alors que les combats font toujours rage en Syrie, se rapprochant notamment de Damas et de sa périphérie, où les violences ont tendance à s'accentuer depuis quelques jours, un responsable américain a alerté sur d'éventuelles préparations d'armes chimiques. Le président américain Barack Obama a aussitôt réagi en s'adressant une nouvelle fois aux autorités syriennes sur les risques du franchissement de cette ligne rouge. Aujourd'hui, je veux que ce soit clair pour Assad et pour ceux qui sont sous ses ordres. Le monde vous surveille et l'utilisation d'armes chimiques est et serait absolument inacceptable. Et si vous commettez l'erreur tragique de recourir à ces armes, il y aura des conséquences et vous en serez responsable. Alors que le porte-parole du ministère syrien des Affaires étrangères, Jihad Makdisi, a quitté son poste ce lundi, l'ONU a décidé de suspendre ses missions en Syrie et de retirer une partie de son personnel.